finalement, on se retrouve prisonnier de soi-même. Et alors, on ne trouve pas la clé. C'est ça qui est marrant comme ça. On a perdu la clé de cette prison, tellement on s'est habitué. On est né, en fait, en prison. Et on s'est habitué et on croit que c'est ça la vie, en fait. C'est comme être dans un aquarium. Et puis te dire tout à coup, ben non, je saute quoi. Et c'est ça qui m'a pris. J'ai dit, moi je saute. Et toute la société, vraiment, famille inclus, évidemment, tous les systèmes sont faits pour te dire, mais non, mais comment, mais enfin, elle est folle, mais enfin, c'est pas, ça va pas, mais enfin, voilà, c'est pas possible, non. Ça s'est fait quoi? Ça c'est non? Ah non, et là non. Et tout est basé sur la prise de pouvoir quoi. Tu as peur. C'est la peur, panique. Cuando te encuentres viviendo con esta gente que aquí llama sans-abri, là tu peux réaliser que ce sont des êtres qui sont aussi touchés à un point de non-retour, qui n'ont pas été capables de tenir bon face à une société qui les oblige tout le temps à paraître. Alors voilà. Vraiment, c'est un système qui est absolument décadent, pourri. Il faut les laisser mourir tranquille, quoi. Et pour moi est presque un synonyme de mort. En fait, c'est une transformation, c'est la seule façon où tu es libre. Ils veulent libérer la terre. Et alors on va contre nature.